Allez, la fin de la séance. Voilà, bah c'est tout simplement programmation de l'agora numéro 30. Donc, j'ai oublié de changer, tiens, j'ai mis 29. C'est 30. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est mardi prochain, décidément. On va y arriver. C'est le 11 avril. Bon, décidément. Voilà. Quand ça a été le 7 mars, je vous avais dit c'est l'anniversaire de ma mère, mais je serai quand même là. Le 11 avril, c'est l'anniversaire de ma sœur, mais je serai quand même là. Voilà. Donc, inutile de me traiter de frère indigne. Non, je dis ça parce que Eric avait dit pour le 7 mars, c'est fils indigne, tu préfères être avec nous qu'avec ta mère. Et non, c'est qu'en fait, je vais passer le week-end en famille et je reviens pour vous. Je reviens mardi soir exprès pour vous. Vous avez intérêt à être là. OK. Donc, mardi 11 avril, dès 20h30. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et puis elle est posée évidemment pendant l'agora, vous savez que c'est fait pour ça. Voilà, puis s'il y a des sujets que vous voulez absolument qu'on aborde, c'est possible aussi. Puis alors, ce qui pourrait être sympa, c'est que, parce que moi je dis beaucoup de choses, je parle beaucoup, je raconte souvent des anecdotes, mais si vous-même vous avez des anecdotes à nous faire partager, c'est aussi un lieu pour ça, quoi. Ok, voilà. Ok, pour les ateliers, Alain, on en reparle par email. Hein. Je suis en train d'organiser ça parce qu'il y a du nouveau avec les nouvelles formations. Et avant les ateliers, il n'y avait que 6 par formation. Je suis passé à 12. Du coup, il faut qu'on réorganise un petit peu nos plannings. Donc, c'est prévu. Je vous avais dit, on verra ça cette semaine. Donc, on essaie de voir ça demain ou après-demain. Ok, donc, je vous renvoie un email pour le planning des ateliers. Voilà. Bon, écoutez, si c'est bon pour tout le monde. Bonne fin de soirée à tous. On se retrouve quand? On se retrouve évidemment dimanche pour le prochain épisode de blog. Je suis en train de préparer, donc là vous avez l'avant-première, mais je suis en train de préparer un petit jeu. Je suis très fan de jeux de société, moi, et je suis en train de créer un jeu autour de l'improvisation, donc pour ceux qui veulent apprendre à improviser. Donc il y aura des dés, il y aura des cartes, il y aura des choses comme ça, et le but ce sera de donner des petits outils pour improviser. Donc, j'aurai l'occasion de reparler de ça. Je vais sans doute placer quelques petits cours, quelques petits conseils d'improvisation dans les prochains épisodes. Sachant que l'improvisation, on peut commencer à improviser dès les premières notes. Hein. On n'est pas obligé d'avoir mon niveau pour improviser. On peut improviser à tout niveau. Et donc, je pense qu'on va parler de ça assez prochainement. Et puis, je vous reparlerai du jeu quand il sera prêt. Voilà, en tout cas, bonne semaine à tous, bonne musique, continuez d'être aussi motivés par l'harmonica diatonique, hein, Alain. et arrêtez de faire des infidélités comme ça au chromatique. Et voilà, merci de votre motivation, bravo, bonne semaine à tous, continuez d'aller sur la chaîne YouTube, mettez des pouces en l'air, commentez les vidéos, faites vivre la chaîne YouTube Armo Chopin pour faire vivre l'école d'harmonica. Et puis on va grossir le nombre d'élèves. Et puis, c'est aussi bon pour vous qu'il y ait de plus en plus d'élèves parce qu'il y a de plus en plus de partage. Et puis, dans les ateliers aussi, il y a de plus en plus de monde. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux, quoi. Et c'est la magie d'Internet, quoi, de pouvoir. Là, vous êtes tous à peu près en France, je crois, mais dans des régions différentes. Mais parfois, il y a des Canadiens, parfois, il y a. Quand je dis, pardon, Jean-José, il n'est pas en France. Jean-José, tu es en Suisse, je crois. Hein. Ah oui, pardon, voilà. Vous voyez, c'est international. Et puis, il y a aussi des élèves au Canada, au Brésil, au Maroc, au Qatar, en Outre-mer, en Belgique, au Luxembourg. Donc, c'est assez fabuleux de voir que, justement, Internet permet de réunir tout le monde. Et justement, sur ce type de plateforme où on peut communiquer tous ensemble, quoi. Et quand on a un atelier, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un Canadien, un Qatari, et puis un Français, et puis un Luxembourgeois. Tout le monde parle français, évidemment. Et finalement, on arrive tous à communiquer ensemble, quoi. Donc, ça, c'est la magie d'Internet. Donc, n'hésitez pas. Pareil, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais s'il y a une vidéo qui vous plaît et que vous n'êtes pas trop
enfin, vous n'avez pas trop peur des réseaux sociaux, bah, partager les vidéos, c'est aussi pas mal, quoi. Ça permet de faire connaître l'école. Et voilà, donc ça, c'est que du bonheur, quoi, pour tout le monde. OK, allez, je vous dis à très bientôt. Donc, Jean-Louis a quelque chose à rajouter? Non? Ah, c'était pour dire au revoir. Donc, OK, bah, au revoir à tous. Bisous. Et donc, oui, c'est nouveau, ouais, je fais des bisous maintenant. Et donc on se retrouve. Donc, Alain a quelque chose à ajouter apparemment ou pas? Non? Oui? Allez. Oui, je sais pas là, j'ai eu une coupure de son là. Par rapport à l'atelier, il y a un atelier demain soir. Il y a pas d'atelier pour l'instant. Je renvoie un email à tout le monde pour le nouveau programme parce qu'on a des. Il y a des nouveautés avec le fait qu'on se voit maintenant, on va se voir plus souvent. Donc, je vais renvoyer un email à tout le monde et comme ça, Ah voilà, c'est ça que j'ai pas entendu tout à l'heure avec le son. D'accord. On regarde ça tous ensemble cette semaine. OK? D'accord. OK. Allez, donc, allez, bonne fin de soirée, bonne semaine, bonne musique. À très bientôt, donc, dimanche pour l'épisode de vlog et mardi prochain pour l'Agora.